Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je voulais faire un petit état des lieux de ma wishlist parce que ça fait longtemps que je la tiens pas vraiment à jour, même sur Livre Addict et tout, avant je la tenais vraiment bien à jour. Il y a quelques mois j'ai tout supprimé, j'en ai remis quelques-uns mais depuis j'ai pas remis avec les nouvelles sorties. Je me suis dit que pour me pousser à regarder un petit peu ce que j'ai envie d'acheter et tout ça, j'allais faire un top 5 des livres que j'ai trop envie de m'acheter dans ma wishlist. Et en réalité, je vous en présentais 6, mais il y en a un petit peu à part. Je vais parler très brièvement de Loveless d'Alice Osman, publié aux éditions Hachette, qui est un roman qui est inscrit dans l'univers des romans graphiques Heartstopper que j'adore. Le tome 5 est bientôt apparaître, j'ai trop hâte. J'ai lu une des deux nouvelles qui est sortie en fin d'année. D'ailleurs, niveau ratio, c'est un petit peu de l'arnaque quand même, on va pas se le cacher. Et du coup, Loveless, je le mets un petit peu à part tout simplement parce que je l'ai déjà mis de côté à la librairie pour moi. Mais je l'ai pas encore acheté. En fait, à mon boulot, donc je suis dans un Leclerc, donc dans un espace culturel, il y a aussi mes collègues du technique qui sont à côté, et je suis un peu connue comme étant la madame Pokémon de l'histoire, vous voyez. Et du coup, bah mes collègues du technique ont les produits dérivés, et notamment ils commandent quelques produits dérivés Pokémon nécessairement. Et à chaque fois qu'ils en réceptionnent, ils viennent me voir à mon poste, ils font « Jeanne, tu veux ?» Bah oui, je veux. Donc en fait, dans mon rack, en réserve, j'ai un petit endroit à moi où il y a tout ce que je dois acheter. C'est une somme plus ou moins conséquente et pour l'instant je suis dans le déni de les acheter. Et Loveless en fait partie. Entre deux mugs Pokémon et un coffret avec un verre, des sous-verres et une tasse. Non, je sais plus ce que c'est l'autre chose. Mais bref, trop canon quoi. Trêve de bavardage, maintenant que je vous ai présenté brièvement Loveless mais qui est déjà mis de côté pour moi, faut juste que je sorte la carte bancaire. Voici 5 livres qui me font ultra envie dans ma wishlist. Ils sont tous au travail, tous les jours, ils me narguent. Et je pense que je vais pas tarder à craquer. Et en premier lieu, je vous présente Concrete Rose de Angie Thomas, publié aux éditions Nathan, qui est tout simplement le préquel de The Hate U Give, de la même autrice que j'avais littéralement adoré, où on va suivre le père de Star, l'héroïne de The Hate U Give. Et ce livre me fait fortement envie, il est sorti il y a quelques semaines maintenant, et j'ai trop hâte de le découvrir. Franchement, il me fait de l'œil, la couverture est hyper belle, hyper punchy, ça donne vraiment envie, et vraiment... The Hate U Give, que ce soit le livre ou le film, avait été de tels coups de cœur et je suis tellement contente que l'univers soit développé avec le père de Star qui est un personnage hyper intéressant dans The Hate U Give. Du coup j'ai trop hâte de me procurer ce livre et de le dévorer au passage. Deuxième livre qui me fait fichtrement envie, qui est sorti il y a un petit moment maintenant et c'est publié aux éditions Snag. Je n'ai jamais lu de livre des éditions Snag, pourtant je trouve que leurs parutions sont ultra intéressantes et le livre qui me fait le plus envie chez eux c'est Queen of Earths, et c'est écrit par Colleen Hawkes, j'ai pas l'accent, bref, la couverture est juste ici, elle est trop bien, c'est un peu une réécriture de la Reine de Cœur d'Alice au Pays des Merveilles, si j'ai bien compris, et ça me fait ultra envie, la couverture, je la trouve hyper intrigante, et je sais pas, l'univers, il me parle. On l'a à la librairie depuis sa sortie, et franchement, j'ai tellement envie de me l'acheter à chaque fois que je range le rayon et tout, je suis là, je fais, il me le faut, et je me le procure jamais. Mais je pense craquer dans pas si longtemps que ça, on va pas se mentir. Désolée si le cadre a un tout petit peu changé, j'ai eu un petit problème avec ma carte mémoire. Et du coup, le troisième livre que je vais vous présenter est un livre qui sort totalement de tout ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant. Même sur ma chaîne, de manière générale, j'en présente assez peu, vu que ça va être un thriller et que ça fait très longtemps que j'en ai pas lu. Je sais qu'il faut que j'en lise plein. J'en ai plusieurs dans ma palle qui me font très envie, mais je sais pas, c'est pas le genre de prédilection vers lequel je me tourne, donc bah ils continuent d'attendre dans ma palle. Et pourtant, j'en ai un que je vais absolument m'acheter, qui est une de mes priorités, je pense, dans ma wishlist, et c'est Mirrorland de Carol Johnstone, publié aux éditions Fleuve Noir. La couverture, je la trouve magnifique, avec des touches de orange et tout, c'est ma couleur préférée, donc m'a directement attirée et le pitch a bien matché avec moi vu qu'on va être sur un thriller avec des sœurs jumelles, tout ça, un peu mystérieux, meurtre nécessairement et ça me tente de fou. Quatrième livre que je vous présente, et là déjà on revient un petit peu plus sur ma zone de confort avec Le Trône des 7 îles. C'est écrit par Adeline Grace et c'est publié aux éditions De Saxus. Je crois n'avoir encore jamais lu De Saxus, j'ai Le Royaume Assassiné notamment dans ma pelle. Je crois que c'est le seul, je ne suis pas sûre. Le Trône des 7 îles, la couverture est absolument grandiose, je la trouve magnifique. Je ne me rappelle plus grand chose du pitch, mais sur le coup, il m'avait fortement intriguée. Du coup, on va bien voir ce que ça donne quand je l'achèterai. Et ça, je sais pas quand ça va être. Et enfin, le dernier, j'en ai assez peu entendu parler, il me semble, même sur les réseaux sociaux.
Je l'ai vu quelques fois passer, mais sans plus non plus. C'est publié chez Hachette et c'est dans une des collections Disney. Il y en a pléthore, je sais même plus combien il y en a, il y en a des nouvelles tout le temps. Et c'est Avant minuit de Julie Murphy, donc c'est celle qui avait écrit Dumplin' à l'époque, c'était chez Michel Lafon, je crois. Et donc là, ça va être une réécriture un petit peu du conte de Cendrillon avec une héroïne grosse. Du coup, ça va être un peu un livre sur tout ce qui est grossophobie et inclusion. Et je trouve ça hyper intéressant. Je l'avais pas vu passer, c'est vraiment quand il est arrivé sur la table à la librairie, il m'a de ouf tenté. Je crois que c'est une de mes collègues qui m'en a parlé. Ah, t'as vu, Jeanne, on a reçu ça et tout, et j'ai regardé, et du coup, il me fait hyper envie. Et je pense que là, je suis dans un bon mood pour lire ce genre d'histoire. Donc potentiellement, c'est sur lui que je vais craquer en premier. Puis les couleurs bleues et jaunes, comme ça, je trouve que c'est un peu pimpant pour le printemps qui arrive et tout. Je pense que c'est une lecture plutôt idéale. Après, mon seul petit a priori sur ce livre, c'est que j'avais lu Dumplin' et j'avais pas nécessairement aimé ce livre, donc bah, on verra bien si, avec celui-ci, ça me tente un petit peu plus. Déjà, l'univers me tente davantage. Donc potentiellement, ça va pouvoir matcher. Enfin, en tout cas, on verra bien. Et voilà, je pense que c'était une vidéo assez courte. Mais en même temps, il n'y a pas besoin de beaucoup plus de détails. Parce qu'en plus, je ne veux pas trop me remémorer les résumés de chaque livre. Parce que j'aime bien voir le résumé une fois, un petit peu oublié, me rappeler que le livre me tente, mais un peu oublier le pitch. Et l'acheter après et le découvrir. Après, entre le moment de l'achat, qui n'est pas nécessairement tout de suite pour les 5 livres que je vais vous présenter, et le moment de la lecture qui va être encore plus lointain, ça se trouve dans 5 ans, soit je les ai pas achetés, soit je les ai achetés et toujours pas lus. On verra bien ce que ça donne, mais en tout cas, actuellement, ce sont les 5 livres qui me tentent le plus dans ma wishlist. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez lu certains, vu que c'est des livres qui sont déjà sortis, hein. J'ai pas fait des nouvelles sorties, j'ai vraiment fait des livres déjà sortis dans ma wishlist. J'ai vraiment concentré la vidéo sur des livres déjà sortis que j'ai dans ma wishlist. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu quelques-uns, si certains vous tentent. N'hésitez pas à me dire lequel je dois potentiellement acheter en premier. Et n'hésitez pas non plus à me dire, vous, quel est le livre de votre wishlist que vous voulez absolument acheter. Si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.